malgré t'as une grosse grève, bon toujours une grosse grève d'abord ici, mais ça pas empêché ailleurs nous t'ouais et présence avocat dans la cour parquet qui t'a pris un mois ici toi avec M. Magloire qui t'a fait comprendre qu'un juge t'a réglé bagaille en bas dans parquet qui je comprends le mouvement ça. Bon, écoutez, ça sont des choses qui n'ont pas de rapport avec nous-mêmes, et comme parquetier, comme magistrat debout, parce qu'on va parler de juges. Les juges, il est vrai que ce sont des magistrats au même titre que nous autres, parce que, mais eux-mêmes, ce sont des magistrats assis. Donc, c'est deux institutions parallèles. Donc, nous ne pouvons pas prononcer moins on fait que moi-même, pas de détails sur. Donc ça, c'est vous-même, vous apprenez moins. Il est vrai que nous étions débrouillés, mais d'habitude, le nous temps des gens d'échange, ça, moi-même, je garde mon bureau dans le bureau, je ne suis pas sorti. Il faut que moi dise, et ça, moi, je ne comprends pas. Pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, les magistrats debout et les parquetiers sont en grève. Nous toujours en grève, et cela depuis le 1er mars. Donc, on ne comprend pas comment parler moi, de siège, de juge, etc. Et avocat Caprile, ça, mon petit, j'ai perdu là. Mais pendant qu'on a parlé de grève là, est-ce que grève là, pas une date limite que l'a levée exactement? Bon, écoutez, nous toujours dit ça. Et même avant que nous lancions grève là, nous avons alerté l'opinion publique. Côté que nous avons dit que, et nous-mêmes, les magistrats, debout, et les commissaires, les substituts commissaires du gouvernement, n'a pas entré en grève, nous t'ai annoncé que n'a pas entré en grève. Et nous t'ai dit pour qui ça. Pour qui ça, c'est parce que nous demandons l'application de la loi. Nous demandons pour un équilibre dans le système. Là. Nous demandons pour traiter nous-mêmes, gens qui ont traité magistrats de bouillot, qui ont même un ensemble de privilèges que nous-mêmes nous n'avons pas gagné. Donc, c'est ça que nous avons réclamé. Nous demandons de meilleures conditions de travail. Nous pas demandé augmentation salariale, mais nous demandons de meilleures conditions de travail. C'est-à-dire nous demandons pour nous traiter nous, même gens, il y a traité magistrats assis, parce que la loi fait de nous-mêmes des magistrats au même grade que nous-mêmes. Oui, nous comprenons la question là, on dit est-ce que n'est pas bon durée limitée. Jusqu'à présent là, nous-mêmes nous disposés et disponibles pour nos travail. Mais malheureusement, et pour parler il n'y a pas que j'aime abouti avec le gouvernement, avec notre ministre. Il y a un pile chita palé qui était fait, c'est vrai, mais rien pour que j'aime abouti. Donc c'est bien malheureux, grève la quimbe toujours, grève la toujours là, mais c'est bien malheureux. Mais nous-mêmes nous disposons pour nos travail. Ce n'est pas vrai que nous ne voulons pas. Travail, ce n'est pas volonté que nous ne voulons pas pour nous travail, mais c'est condition qui n'est pas acceptable. Magistrat, à qui sentiment et vous vivez et moment ça pendant la grève là et alors à la justice qui est en grève depuis plusieurs semaines. À qui sentiment vous vivez et moment ça? Bon et sincèrement Mabdine, avec un pile amertume dans le cœur, ça fait que nous mêmes magistrats debout, c'est pas sensibilité que nous pas gagnons pour les gens qui besoin de justice, qui réclamer justice. Nous connaissons vu situation, vu et contexte là, nous avons une société qui a vide de justice. Et la justice, plus que jamais, les sociétés haïtiennes n'ont besoin. Mais pas oublier que nous avons besoin d'une justice qui est forte. Tout autant que nous avons une justice qui a marché sous grand cas, nous n'avons pas de résultat escompté. Oui, ça dérange nous-mêmes, il fait nous mal en tant que professionnels du droit, en tant que magistrats également. Nous pas et bail service, nous camper service là. Mais ce n'est pas dépendre de volonté nous. Parce que depuis plus de 3 ans, nous avons subi discrimination. Ça. Nous avons écrit, nous avons fait plusieurs grèves déjà, nous n'avons pas jamais répondu nous. Bon, cette fois-ci, nous sommes obligés de faire une et pour nous faire attendre nous. C'est seul voie, c'est seul moyen, ça nous rien. Nous n'avons pas de l'autre encore. Si nous avons l'autre recours, nous avons fait libre parce que nous essayons de parler, nous avons échangé de correspondance qui fait. Tantôt le coma écrit, nous répondons le coma, nous réécrit encore. Rien n'a jamais abouti. Donc ça, il ne pas dépendre de volonté. Non. Qui fait ça, fait selon? Non, écoutez, moralement, ça appartient nous, parce que nous gardons nous une société qui a effondré, nous connaissons, j'en ai dit tout à l'heure, une nécessité pour nous, une justice qui faut pour redresser les torrents de la société. Oui, nous avons besoin de lui, mais il faut qu'il y ait des conditions qui créent pour ça. Donc, si moralement, nous-mêmes, nous ne sommes pas préparés pour affronter ça, parce que malheureusement, un pile monde dans la société n'a pas compris notre rôle avec importance, un magistrat debout ou encore un commissaire du gouvernement. Pas oublier que
c'est nous-mêmes qui placé en dans système là pour nous poursuivre nous. C'est nous-mêmes qui prenons siège là pas le porter et accusation. C'est nous-mêmes qui pas le camper. Donc ça fait reler nous des magistrats de goût. Pas oublier que première interface qu'a fait avec criminel là, c'est toute première interface le la police arrêté, c'est nous-mêmes les magistrats de goût. C'est nous-mêmes qui pourra prendre dossier ça et au moyen de réquisitoire informé pour nous voyer le bas juge d'instruction. Donc tout ça travaille nous en pile, mais c'est bien malheureux en pile pour ne pas comprendre ça dans la société. Et ça fait que ils sont capables de comprendre ça très mal, mais c'est bien malheureux. Nous devons toujours prendre le soin à chaque occasion, à chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous faire ça, pour nous expliquer que nous-mêmes, ce n'est pas volonté que nous gagnons pour nous pas travailler, ce n'est pas une absence de volonté. Au contraire, c'est parce que nous avons un système qui faute. Donc c'est bien malheureux, il y a un pile monde qui pas comprendre ni même gens ensemble avec nous. Monsieur le même et cher maître, qu'est-ce qui t'a expliqué la sourde oreille ça et caille et nous capable dire caille premier ministre ensemble avec toute ministre justice là. Qu'est-ce qui explique la sourde oreille ça? Bon, pas connait une telle question, c'est eux même qui vous ta répondre ni parce que nous t'ai bien expliqué aux questions, nous t'ai bien exposé frère. Dans la correspondance que nous avons, depuis l'année dernière, nous avons voyé par le Premier ministre, la rencontre que nous avons eu avec elle, avant la grève, même, côté que l'été même te promet nous que, effectivement, et discrimination, nous pourrons le camper, parce que lui-même, bon, tout après que nous disons, nous avons compris que c'est une augmentation de salaire ou bien autre, alors que nous avons très explicite, nous dit que nous pas réclamé augmentation de salaire, nous dit que nous avons une discrimination qui a fait au sein de la magistrature, c'est entre les magistrats assis et les magistrats debout. Donc nous-mêmes nous réclamer et nous demander pour discrimination ça au campé. Donc et nous t'expliquer qui ça discrimination est. Nous expliquer discrimination comment le situer, comment lier. M'a expliqué nous gain discrimination en fait au niveau de et de téléphone côté que magistrat assis régulièrement eux-mêmes yo ba yo et moyen et téléphonique, yo ba yo moyen carburant, yo ba yo indemnité, yo ba yo prime de risque. Nous même nous pas gain rien du tout dans ça et nous t'ai dressé même un tableau qui fait différence et en termes de privilège ça magistrat de bouyo et joindre pas joindre et ça magistrat et assis yo même yo joindre au niveau de première instance tant au niveau de la cour d'appel. Donc nous dresser tableau ça et nous t'ai même et soumettre tableau ça à notre ministre de la justice qui gagne là même. Donc nous croyons que nous t'ai assez explicite, donc il était clair, nous pas demander augmentation de salaire parce que jusqu'à présent nous toujours gagné même salaire avec eux, c'est vrai, mais n'a parlé de privilège parce que ces privilèges ça va pas permettre qu'un bill on regarde cherté de la vie on regarde prix carburant. Comment on demander pour un magistrat avec 6 mecs salaire ça que nous gagne nous gagne là, on demander pour nous venir travailler chaque jour, hein, moralement tout nous affecté. Donc comment nous pas capable le meilleur de nous-mêmes les n'a traiter dossier. Donc c'est normal, le nous arrivons dans le siège, nous connaissons au même grade qu'on juge la grade en façon parce que traitement au bal là c'est pas traitement ça nous même au ban nous. Alors que nous au même niveau que eux même. Alors que ou a jeune en pile là dedans, qui fait école magistrature, bien qui gain l'autre niveau encore toujours. Donc pour qui ça discrimination ça? Alors que la loi lui-même, lui dit que nous même nous au même grade que eux même. Merci. Bah non pas. Et c'est Carl, Maître Carl Giovanni Obou, substitut commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince. Membre du COMAD, du directeur du COMAD. Merci. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous êtes abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. Vous êtes plus grande plateforme. Plus bonne plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagaille Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans souffle. Ciao.